Aujourd'hui, je vous emmène en Eure-et-Loire voir le meilleur cavalier de dressage français, Marc Boblet. Le dressage, c'est une succession de figures libres ou imposées en musique qui doivent être réalisées de la manière la plus élégante possible. Mais ça, vous le saviez déjà. Salut Marc. Salut Pénélope. Je viens pour ma leçon de dressage. Parfait. Est-ce que tu en as fait un petit peu? Ah non, jamais. Ah, alors ça va être intéressant. Ça marche. La salle de dressage, ça m'effraie un peu. Non, tu vas voir, on est très bien dedans. Avec tes grandes jambes, il n'y aura pas de problème. Ouais, ça marche. Ok, on y va. Je te le donne. Pénélope Leprévost, la reine de l'élégance. En jumping peut-être, mais en dressage, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça ne sera pas à cause de la piste, car je m'en occupe. Elle sera nickel. Avance, avance. Ah ouais, encore? T'as l'impression d'aller vite? Ouais, on y va. Ça, c'est son trot, hein? Ah ouais? Ouais, ça, c'est top. Baisse ta main droite, baisse ta main droite. Reste bien assise. Si tu t'assois, tu t'assois, hein? Là, je suis pas assise? Non. Ok. Ah, bien assise, assise. Plus petit encore. Voilà, essaye de pas bouger ton dos, pas bouger ta tête. Et là, il trotte normal, il va pas à fond? Non, il trotte normal. Ah bon? Ouais, il est à fond, là, non? Non, non, non. Là, c'était l'échauffement, là. Putain, il envoie, hein? Pose tes mains, hein? Ouais. Quand il est droit, voilà, droit, là, droit, c'est pas grave. On recommence. Voilà, voilà. Ouh. Attends, 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 bien droit. Allez, donne tes mains. Voilà, 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 très bien. Pas grave. Oh, oh. Voilà, ok. Ça, c'est très bien. Ah, j'ai une petite pause. J'ai mal aux abdos. Ça y est, on a fini. Non, 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 attends, attends. Oh, oh. Voilà, voilà. Bien, Pénélope. Et maintenant, tourne les épaules. Pas plus de hanches, tranquillement foulées. Bon, le début, c'était pas fameux. C'est clair que je me tapais un peu les fesses. J'avais beau essayer d'être souple, je crois que j'étais un peu désarticulée. Je pense que du coup, ça va me donner un peu d'idées pour travailler mes chevaux de CSO un peu différemment, peut-être. Et... Moi, je dis pas que j'arriverai au dixième de ce que sait faire celui-ci, mais ça me donnait quelques nouveaux trucs. Note technique, au début, quand même, un peu sac à pommes de terre. Hein. Enfin bon, en revanche, très belle progression. Ah, je suis quand même obligé de mettre un 8 quand même. Artistique, moi, je pense que 7, c'est bien payé. Fair play. Très à l'écoute de Marc Boblet. Je pense que vraiment, ça met un 9. Elle a bien respecté, comme d'habitude, le cheval aussi. Bon, maintenant, madame a pris sa leçon, mais moi, je dois remettre la piste nickel. À bientôt, ciao. J'arrivais pas à trouver le dosage, j'en avais un peu plein les bras, et d'un seul coup, tu me dis relâche quand il est bien. Ben, d'un seul coup, il a dit ah, ok. Ouais, laisse-moi respirer. Tu peux réessayer maintenant que je suis un peu mieux avec la pirouette. Elle descend plus. Allez, on est parti. Alors.